Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de WebPress. Des excuses parce que la semaine dernière, nous n'étions pas là, non pas de notre propre volonté, des circonstances nous ont interdites d'être avec nous, avec vous. Mais malheureusement, je suis quand même assez satisfait de savoir que vous êtes très nombreux. Vous nous avez cherchés, vous avez appelé, vous avez demandé, mais nous étions où? Il y en a même qui nous ont demandé, même pendant la rediffusion, de pouvoir programmer une émission parce que vous aviez voulu que nous puissions parler. Nous avons tenu compte de vos demandes. C'est comme ça qu'au-delà de tout, nous sommes là, ici, avec vous. Freddy qui peut nous remercier d'être là, avec tous les caméramens que je vois ici sur ce plateau, qui font un travail remarquable. Clin d'œil au directeur de programme, Maurice Gigando, qui me secoue souvent pour être en forme, pour être avec vous. Je suis très en forme. Moi, c'est Peter Tiani, le journaliste qu'on avait arrêté, qui est en prison, qui est sorti, qui continue à faire le travail, qui sera avec vous encore et pendant longtemps, jusqu'à ce que ce Congo va changer, je serai avec vous. Soyez-en rassurés. Et peut-être encore très longtemps sur Congo Web Télévision. Hein. Clin d'œil à Gabi Chabanelissasi, président et patron de Congo Web Télévision. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, on dirait il a... Écoutez le peuple, on dirait. On dirait aussi un peu de remue-ménage. Il a un peu chiquinoté certaines personnes. Du côté de l'armée, ça a bougé. Du côté de la justice, ça a bougé. On va commenter sur ce plateau. Ronsard, on dirait, on lui a demandé d'attendre avec Jeannine Mabunda et consorts. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Le chef de l'État, pas d'accord, rejette, refuse même cet entérinement. Il a parlé, Fachi. On va décrypter sur ce plateau. Et puis, demain, il y a une marche du CLC. Demain, le 19 juillet. Mais pourquoi? Le chef de l'État a déjà dit, pas de Ronsard. Bon, pourquoi le CLC va marcher? Pourquoi, souvenez-vous que le CLC a été à l'avant-garde, hein, pour que dans ce pays, que les lignes puissent bouger. Hein, souvenez-vous encore de Ndaiwel et toute sa bande. Les mouvements citoyens ont joué un très grand rôle. Le Congolais debout avec Syndicat d'Okolo, Filindi, la bande à Carbone Beni, Lucha, Baouma et consorts. On n'en dira jamais assez. Il est quand même important dans la vie de rappeler, parce qu'un peuple sans histoire est un peuple mort. Hein. Il faut toujours rappeler l'histoire, savoir d'où nous venons, parce que le passé nous permet d'améliorer notre futur. On n'améliore jamais le passé, mais on s'en sert pour améliorer le futur. Il ne faut pas commettre les mêmes choses de la même manière et vous attendre des résultats différents. Ils sont quatre sur ce plateau. Le premier... Puisque je parlais du CLC, il est porte-parole du LCD, maître, auxiliaire de la justice, hein, avocat de son état, ici à Kinshasa et aussi à Paris. Hervé Diakissé qui nous fait l'honneur, un consultant maison en matière de droit, qui au-delà de ses multiples occupations, accepte de vous servir aujourd'hui de communiquer. Maître, bonjour. Bonjour Peter. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci pour la disponibilité. C'est toujours pour moi un très grand plaisir et un très grand honneur d'être admis sur votre prestigieux plateau. J'étais ravi que vous soyez même à temps, à l'heure, hein, très ponctuel. Hein. C'est un devoir, ouais. Et une marque de considération que de respecter les heures de rendez-vous. Ça, c'est la culture des avocats du barreau de Paris. C'est quoi, Paris 8, Paris combien? Paris intramuros, non, je crois que c'est juste la culture des gens qui respectent les engagements. Yves Kiangeben y a compris. Donald Bongo le doit dire à Yves Kiangeben. Le respect de la parole donnée et de l'heure. Quand on a repris ce rendez-vous à 11h, à 14h. Dans le mariage, ce bâtier 20h. C'est que dans le mariage, beaucoup à 23h. Ça doit changer. Moudjahidine du peuple. Prédicateur national. Nikofa Ndikaï. Liziba Maïe. Une marche en vue le 25. Tout à fait. Tout à fait. Une marche est organisée par le procureur général près le peuple. Pourquoi cette marche le samedi 25 juillet? On en saura davantage sur ce plateau. Mais avant toute chose, je dois quand même rappeler à mon peuple qu'il reste 1260 jours.
l'appel de ses mandats, les mandats, et 442 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 132 jours depuis que COVID-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Pourquoi ce rappel national? Au gouvernement, chercher les moyens pour que les élections soient organisées dans le délai. Et ma question demeure sans réponse. Combien les gouvernants ont-ils réservé à la CENI pour l'organisation dans le budget 2020? D'accord. Covid n'a que 132 jours. Que Covid ne soit pas un alibi pour tirer les choses à longueur. D'accord. Au gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. D'accord. Cette fois-ci, je n'aimerais plus qu'on fasse tuer encore mon peuple. Sur base de mensonges du genre, on a volé ma victoire, vérité des urnes, voilà pour regarder. Et lorsque les juges vont vous demander la preuve, vous renvoyez des gens auprès des centres Carter, Radio Vatican, Basango Balobi. Plus question de ça. D'accord. Eric Wemba, l'un de brillants confrères journalistes dont j'apprécie beaucoup la plume et la perspicacité des interventions. Bienvenue. Oui, merci Peter Tchani pour l'invitation. D'accord, un mot à dire par rapport à... Un mot à dire, comme nous parlions hier, les hommes d'État passent aux générations futures. Les hommes politiques aux prochaines élections. Vous voyez, il y a encore 3 ans, tout le monde va être dans la rue pour la CENI. Alors qu'il y a des problèmes réels. Pendant que Ségolène Royal en France est allé proposer les plans de sortie de la relance après Covid, on aurait dû entendre quand même l'opposition et la majorité se mettre d'accord pour... Pour de l'eau, pour de l'électricité. Pour la relance. À Mongafula Masangambila, oui. On dit que, parenthèse, on dit qu'il y a un forage créé. La population dit que ce forage appartient à Gentilin Gobila. Depuis que ce forage-là existe à Masangambila, Maïsa soutient Masangambila. Il n'y a pas de marche pour ça. La conquête pour la CENI, simplement parce que les acteurs politiques savent que le peuple congolais a seulement les droits de voter, non de lire. C'est la CENI qui fabrique les résultats. D'accord. Si le peuple avait vraiment les droits de lire, on n'aurait pas mené ces combats inutiles pour trouver un mouton à 5 pattes pour diriger la CENI. Merci beaucoup. En tout cas, on verse les gens dans la rue, même l'IDPS verse ces combats. On fait tuer les enfants d'autrui alors qu'ils sont au pouvoir. Ils ont un président qui a le pouvoir de ne pas investir. D'accord. La marche est inopportune. Quand vous dites le peuple, je n'aime pas cette posture maximaliste. Même nous qui ne sommes pas d'accord avec ces manifestations, nous faisons aussi partie du peuple. D'accord. Merci beaucoup. Je vous coupe à l'arbre sur le pied. Vous allez avoir le temps d'étoffer votre argumentation ou d'expurger la bile de votre foi. Le dernier invité, président Médard Kankolongo. Je suis très ravi de vous avoir sur ce plateau. Je vous ai vu dans la marche. Vous êtes parmi les rares qui parlaient à la télévision et qui êtes sur terrain. Félicitations. Bienvenue. Merci. Le plaisir est partagé, surtout d'avoir Maître Hervé. J'ai beaucoup de respect pour lui, vous savez, un certain moment, j'étais un ancien prisonnier et je le vois toujours là-bas pour défendre le faible. Et je suis très fier de partager le même plateau avec lui. Et surtout, j'entends les gens nous parler, non? Vous qui sortez hier, oui, ailleurs, non, mais ailleurs, on respecte la volonté populaire, par exemple en France. Mais si chez nous, nous, par exemple l'actuel gouvernement, n'oubliez pas que le gouvernement, c'est de la majorité parlementaire. Dès lors que vous avez des institutions dont les gens, qu'on prétend qu'ils sont élites, les gens qui ont joué pendant 18 ans, ils ont 400 députés. Si nous pensons d'avoir un gouvernement qui peut penser au peuple, pour aux élections aujourd'hui. Et nous pensons, nous nous battrons jusqu'au bout, heureusement pour nous, l'homme qui était préparé par le FCC ne passera pas. Et nous disons notre appel... Quel homme qui était préparé par le FCC ne passera pas? Oui, oui. Vous avez laissé la précipitation avec laquelle Monsieur Mabunda, Madame Mabunda a voulu nous amener cette histoire. Gloire à Dieu, par la clairvoyance de notre appel. Non seulement ça, mais aussi même les lois Minako et Sakata. Vous voyez, ils étaient prêts à caporaliser la justice. Donc vous fâchiez entendu le peuple. On met le pied dans le plat, je vous garde. Exactement, mais lui, il le sait très bien qu'on s'est bâti avec lui. N'oubliez pas, j'ai dit serveur et consort. Il connaît le prix qu'on a payé pour régler le somme aujourd'hui. Si Félix est président aujourd'hui, il le sait, parce qu'il y a des gens qui ont dit non. Kabila n'a pas lâché le pouvoir parce que lui, il est lâché. Non. Il y a eu des rossiers et consorts qui ont livré de leur vie et Kabila a reculé. Si nous ne mettons pas la pression sur nos amis du FCC, on est mal parti. Et j'encourage la détermination de notre peuple. On peut avoir des institutions qui peuvent penser à reconstruire les pays dès lors qu'il y a le débat de la redevabilité. Mais si tu es nommé Kingakati, tu fais la volonté de Kingakati. Ailleurs, on vient de me dire ici que non, on est tenté de penser après le pré-Covid. Mais ici, nous avons des lois, Minako Sakata, qui pensent comment caporaliser la justice. C'est inadmissible pour nous. Et nous resterons toujours debout, vigilants, pour barrer la route à cette machine diabolique
qui traîne jusqu'à aujourd'hui, qui est le FCC. D'accord. Faut barrer la route à la machine. Je rectifie parce que je ne sais pas s'il était où notre ami Kakolongo quand il parle de mardi, de jeudi saint où nous allions je pour les serveurs. En tout cas, nous étions avec Jacques Meshabani. Je crois que Félix était en Belgique, en train de balader en Belgique à l'époque. Donc quand il dit qu'il connaît, il n'était pas... Oh, Félix était à l'UDPS. Non, il était à l'extérieur. Donc il était en Belgique. Oui. C'est nous étions... Être en Belgique, ça ne veut pas dire l'UDPS. Il n'était pas là dans la rue. Moi, j'ai reconnu que nous étions avec Jacques, mais je ne sais pas si Kakolongo, il ne faut pas tromper l'histoire. C'est l'UDPS. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Félix n'était pas là. Hein? Ça, c'est vrai, il n'était pas là. Mais il fallait descendre de la rue. Aujourd'hui, le président de la République joue et gagne. Il entend le peuple. Il ne joue pas, il gagne. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, les combats que les acteurs politiques, que ce soit Félix, que ce soit Lamouka, que ce soit FCC, c'est pour la conquête. D'autres pour la conquête et d'autres c'est pour la conservation du pouvoir. C'est ça la finalité de l'action politique. Oui, évidemment. Évidemment, c'est ça. Donc, le peuple va être jeté dans les oubliettes. Comme ces jeunes gens de l'IDPS qui ont été calcinés lors des masses du LCC, comme ces trois qui viennent de mourir là, tout de suite là, ceux qui sont morts là, on va les oublier. Parce que vous vous rendez compte, on vous envoie dans la rue. Mais Félix nous a annoncé, je ne sais pas si vous avez tiré attention, qu'il se retrouve, hein, quand les Kabounde, les Kabouya se retrouvent dans des officines au Kilts avec les Néhémis, le peuple n'est pas là. C'est quand ça ne marche pas, pour faire chanter leurs adversaires politiques, ils utilisent les affaires des autres pour les faire tuer dans la rue. Après, ils se réconcilient, ils continuent leur route ensemble. C'est pourquoi moi je m'oppose désormais à ces radicalismes au bout des ongles. Parce que les gens marchent demain du CLC. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, moi je reconnais au CLC parce que l'autre fois nous étions là avec des Félix Tshisekedi et consorts. Là tu as reconnu Félix Tshisekedi? Non, oui, il était là. Il était là. Ah, mais dans les jeudis, ce n'est pas là. Je suis d'accord, les gens doivent manifester, c'est un droit. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous trouvons cette marche inopportune. La marche de demain n'est pas inopportune. Parce que vous avez un président qui est là, qui a déjà bloqué cet entraînement, ce président-là est ici de l'IDPS. On ne peut pas être en même temps au pouvoir et à l'opposition. Vous avez l'impérium pour bloquer la machine. Je ne voyais pas l'opportunité de verser les gens dans la rue. C'est pourquoi moi je trouve cette marche totalement inopportune. Ça veut dire, on oublie. Parce que le peuple est là, confronté à ses problèmes. Il faut voir, moi j'ai le dernier rapport de la Banque Centrale. Tous les indicateurs sont au rouge. Baisse des réserves d'échange, dégradation du cadre macroéconomique. Les peuples souffrent. Aucun consensus pour trouver des solutions aux problèmes des peuples. Les gens sont déjà préoccupés en 2023 comment ils vont accéder au pouvoir. Le peuple peut continuer à souffrir, on s'en va. Pour vous qu'en 2023, que la CENI, tout le monde aujourd'hui est convaincu que c'est la CENI qui fabrique des résultats. Parce que si la CENI ne fabriquait pas des résultats, il n'y aura pas ces combats ici qu'on est en train de mener. Si réellement le peuple devait réellement voter, il n'y aura pas ces combats. Donc c'est pourquoi moi je trouve la marche là inopportune. Il y a encore 3 ans, les Congo a beaucoup plus de problèmes pour que nous unissions des forces pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Au lieu déjà de penser à conquérir ou à conserver les pouvoirs en 2023. D'accord. Miko Faimbikaï, vous pouvez tirer le micro vers vous, il n'y a pas de problème. Votre réaction, faut descendre dans la rue, le genre revendique, Fatih entend, demain le CLC sera encore dans la rue pour continuer à faire pression. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Estimé Peter, vous savez que non, je suis un grand organisateur de marches d'il y a près de 30 ans. Quand je vois aujourd'hui les gens parler de marches, nous sommes de la première heure. Vous êtes déjà diplômé, vous êtes fatigué. Non, nous ne sommes pas diplômés, nous sommes des professeurs émérites. Ah d'accord, oui, donc vous avez déjà dépassé ces stades. C'est là. Mais néanmoins, je ne pouvais pas rester indifférent compte de la morosité, de la calamité, de la disette, la souffrance, la torture à laquelle mon peuple est confronté aujourd'hui. C'est là qu'ils ont marché de leurs droits. On ne peut pas les empêcher. Mais quand est-ce que ça devient mauvais? C'est lorsqu'il y a dérapage. Mon peuple de Lubumbashi m'a appelé pour me dire que le 9, il y a eu 9 morts et plusieurs disparus. Une trentaine de disparus. À Lubumbashi, il y a eu 9 morts, plusieurs disparus. Oui. À Kinshasa, il y avait eu 3 morts du côté civil et un policier tué. On enregistre. État des droits. Pendant la période de Covid-19, période à laquelle le numéro 1 de la République démocratique du Congo avait décrété l'état d'urgence, dans laquelle on interdisait un roulement
un regroupement de 20 personnes. Donc, les terrasses sont fermées. Les tenanciers des terrasses sont des locataires. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après Covid et quelle sera la situation des garanties locatives entre le bailleur et le locataire. Marché est une chose, mais nous posons la question. Nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Ouais. La société civile table sur ce qui les concerne. En vertu de quoi, les partis politiques peuvent chercher à se mêler dans les affaires d'une autre composante. Nous sommes en droit, état de droit. Et qu'adviendra-t-il aussi si les composantes partis politiques, l'opposition parlementaire et la majorité parlementaire enverront aussi leurs délégués et que la société civile aussi se mettait à marcher. Moi, je pense, en bon procédurier, il serait judicieux que cette question ne soit pas traitée par les politiques, que ceux-là qui se sentaient lésés saisissent la justice. C'est ça l'état des droits. D'accord. Pourquoi ? Qui doit constater les irrégularités ? D'accord. Si ce n'est pas la justice. Mais si les résultats sont constatés et sanctionné par l'exécutif, il y a problème. Il y a problème. Okay. Ça aurait eu un sens que ceux-là qui étaient censés de sortir, désigner leur candidat, et s'ils estimaient que la procédure avait été vicieuse, ils ne revenaient pas à moi. Ils ne revenaient pas à vous. Il ne revenait pas à Antoine. Il ne revenait pas à Mabunda. Antoine, il ne revenait pas à Tamboué. Antoine Tshilombo-Tshisekedi a refusé. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Quelle est votre réaction par rapport à la position? Je suis en train de le dire. Dans l'état des droits, s'il y a irrégularité, en droit pour rester. Antoine ne pouvait pas refuser. J'ai dit ceci. En droit, pour rester, il faut avoir la qualité et l'intérêt. S'il y a des confessions religieuses qui avaient estimé bon qu'il y avait des irrégularités, j'estime que pour faire respecter les droits, l'état des droits pour lesquels nous avons failli mourir, ça aurait été logique, judiciaire, que les confessions religieuses saisissent les cours et tribunaux. Qu'il y ait qu'une décision venait de l'exécutif. Donc, Antoine ne devait pas s'y opposer. J'ai dit à ma simple connaissance, oui, ça aurait été mieux qu'une des confessions religieuses qui s'était sentie lésée saisisse au moins une juridiction. Merci. Maître Hervé Diakessé, vous avez le micro. D'abord, vous avez une marche demain. Il faut... Certains disent qu'ici, il y a l'inopportunité. Deuxième aspect, comme Nico Faye-Mbikaï le dit, le président de la République ne pouvait pas s'opposer à la désignation de Ransan Malonda, cet entérinement. Il fallait que les confessions religieuses lésées saisissent la justice. Voilà. Bon, très bien. Effectivement, les questions se posent. Nous maintenons effectivement notre marche pour demain, dimanche. Confirmée. Elle est confirmée devant le marché de la Liberté jusqu'au boulevard Triomphal à partir de 7h. Alors, pourquoi nous la maintenons? Premièrement, nous saluons l'initiative du chef de l'État qui vient d'être prise de ne pas faire droit au coup de force qu'a été la désignation au forceps de Ronsard Malonda en violation de toutes les procédures. Ça démontre que le président de la République a été déjà à l'écoute de l'ensemble des revendications qui lui avaient été lancées lors des précédentes marches et lors de certains communiqués que les CLC et les autres mouvements citoyens avaient déjà lancés. Mais c'est une étape dans la bonne direction, c'est une étape nécessaire mais pas suffisante parce qu'il y avait d'autres revendications. Nous n'avons pas marché pour le départ de Ronsard Malonda. Nous avons marché pour avoir une CENI qui soit suffisamment crédible, indépendante et fasse des élections dans la transparence. Il y avait une série de revendications importantes que nous avions relevées comme préalables. Nous avions d'abord dit qu'il était hors de question que parmi les animateurs de la CENI, on puisse avoir les auteurs du chaos électoral, de la caricature des élections que nous avons eu lieu en 2018. Nous avions dit aussi qu'il fallait auditionner le rapport, conformément à l'article 52 de la loi organique de la CENI, le rapport de la CENI Nanga. Et que conformément à ces mêmes articles, que ces rapports soient soumis à un audit
de la Cour de compte. Parce que cette CENI a été quand même entachée de beaucoup d'éléments liés à des scandales financiers, à telle enseigne qu'il y a eu même des sanctions américaines, notamment sur la question de la machine à voter. Nous avions aussi dit qu'il y a sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant réforme de la loi organique de la CENI, qui elle-même est a reçu les avis du gouvernement. Il faut une réforme. Les propositions de la Lutundula. Exactement. Vous savez le problème. Je peux prendre cette métaphore biblique. Vous savez, au commencement, comme dit la Bible, il y avait le chaos. Nous avons connu un chaos électoral. Nous tous, nous le savons. Nous nous rappelons que comment nous balader des bureaux de vote, des centres de vote en centre de vote les jours des élections, parce qu'il n'y avait même pas de liste électorale, les gens étaient même découragés pour aller voter. Vous savez qu'on a. Il y a même qui venaient qui ne trouvaient pas leur nom. Il y a eu des machines à voter qu'on a retrouvées même dans les maisons des candidats. Vous, la presse vous avez même dénoncé, jusque dans des camps militaires. On n'a pas eu des fiches des résultats, on n'a pas eu d'affichage, on n'a pas eu des PV d'opération de vote, jusqu'à la situation ridicule des validations et invalidations à la Cour constitutionnelle. Vous vous rappelez que cette CENI a annoncé des résultats alors que les compilations n'étaient même pas finies dans les centres locaux. Est-ce que c'est de cette expertise dont nous avons besoin? Donc nous disons qu'il y a eu un chaos. Au lieu de continuer les tricheries en tricheries et les désordres en désordre, la première chose, même Dieu, quand son esprit s'est mouvé sur les chaos, il dit la première chose, que la lumière soit. Donc faisons la lumière. Auditionnons les rapports, auditons. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas placé l'homme directement. On a préparé les jardins. Donc on ne peut pas commencer par désigner les gens sans savoir quelle est maintenant la nouvelle configuration de la CENI qu'il faut avoir. Donc, préparer les jardins, dégager les reptiles, dégager les animaux sauvages et préparer un espace où la nouvelle CENI, donc là où l'homme va régner, il puisse avoir l'autonomie, le contrôle sur la création. Or, jusque-là, on veut nous mettre des gens qui sont déjà sous contrôle. Vous avez assisté à une CENI que nous avions, dont le membre partait et se faire photographier avec leur autorité morale alors qu'ils sont du même avis. Nous avons vu une CENI dont les membres participaient à des réunions. Les audios ont filtré où ils expliquaient la stratégie électorale. Est-ce que c'est de ça dont nous avons besoin? Au moment où nous vous parlons. Mais est-ce qu'il nous faut un saint qui vient du ciel? Non, Peter, tiens. On dit c'est même Jésus qui l'a fait. Mais on doit déblayer. C'est pourquoi au moment où nous parlons, le chef de l'État a bien agi, déjà en ne faisant pas droit à ses coups de force. Mais là, nous rentrons statu quo hanté. La question demeure entière. Dans la configuration actuelle, nous n'avons pas encore la CENI qu'il nous faut. Et pour cela, nous devons tous être congolais. Aucun parti n'a pour agenda d'organiser la tricherie ou d'avoir une CENI des tricheurs. D'accord. Donc nous tous ici, nous voulons que nos voix comptent. Vous comprenez? Les élections, c'est quoi? C'est le seul moment dans la vie où nous sommes vraiment à égalité parfaite en tant que citoyens. Votre voix, sa voix, la sienne, c'est pas notre, au Congo, est à égalité avec la voix du président. Ça, c'est pas au Congo, ça. Si on ne tient pas compte de nos voix, ça veut dire qu'on nous considère comme des... On a trouvé le bulletin de vote à la justement, Chiquine, comme des citoyens de seconde zone. Or, pourquoi les CLC marchent? Nous portons un lourd devoir. Des jeunes gens de moins de 40 ans ont été tués dans les églises, jusque dans les parvis des églises. Ils n'avaient pas ambition pour être président de la République, ils n'avaient pas l'ambition d'être des députés, ils n'avaient pas ambition d'être des ministres. Ils voulaient que vous et moi, nous puissions faire que nos voix comptent, que ce que nous avons vraiment... Tout à l'heure, l'ami a fait une lecture très intéressante, cette nuance-là. On veut que nous soyons des gens qui votions, mais on ne veut pas que nous soyons des gens qui élisions. Non, nous devons être, nos votes doivent refléter notre élection. Vous dites tout à l'heure, là, permettez-moi très rapidement, vous dites, mais il faudrait peut-être organiser des marches contre le chômage, pour l'eau et l'électricité, etc. Mais tout ça est lié. Si vous n'avez pas de bons dirigeants, ou si vous n'avez pas des élus qui contrôlent ceux qui sont à la place, et qui sont incapables de sanctionner, parce qu'ils sont tributaires, non pas de vous, les peuples, parce que dès le départ, ils ne se considèrent pas élus par vous. Mais comment voulez-vous qu'ils fassent les choses? Donc vous pourriez marcher 10 000 fois pour l'eau et l'électricité. C'est totalement lié parce que tout va à la base. Les modalités de désignation de ce que nous envoyons qui ne se sentent pas comptables vis-à-vis de nous. Et je voudrais rectifier une chose. Non, vous aviez dit que les gens étaient calcinés à l'UDPS lors des marches du CLC. Non, pas du tout. Pas du CLC, je rappelle le 19 septembre. Ah, d'accord. On ne parle même pas de oui, exactement. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Dans ces cas, effectivement, ma rectification n'a pas son sens. Donc, je voudrais vraiment dire ceci.
Les gens ont le droit de considérer que notre marche est inopportune, on est en démocratie. Mais nous la considérons et nous la maintenons parce qu'on considère qu'elle est importante puisque les préalables n'ont pas encore été rencontrés et qu'il est important que nous puissions marteler ces préalables, qu'elles soient tenues en compte. Parce que nous, nous sommes dépositaires de la mémoire des martyrs de la démocratie. Ce que vous dites me touche, je vais prendre les autres, mais je... juste deux minutes, maître. Oui, je vous en prie. Vous. Le CLC a joué un rôle, je veux dire, important dans ce pays. On connaît l'histoire. Est-ce que vous avez le sentiment d'un travail bien fait aujourd'hui avec ce qui se passe, ou vous avez le sentiment d'un travail inachevé? Je pense que nous avions accompli un travail d'étape. Peut-être que nous avions l'ambition que ce travail soit totalement achevé, mais ça procède de la souveraineté des dieux. Je pense qu'en âme et conscience, nous faisons ce que nous estimons être juste avec nos compatriotes et nous avançons. Je pense que la seule chose qui soit importante, c'est que 60 ans après l'indépendance, je crois que nous tous, nous en avons assez d'être dans un Congo de la magouille, de la tricherie, et nous recommençons exactement les mêmes choses. D'accord. Pourquoi nous insistons sur les élections? Parce qu'après chaque élection, nous retombons dans les crises post-électorales, après il faut encore un dialogue, après il faut encore négocier. Donc ça veut dire que les fondements sont ébranlés. Il faut revenir à la case de départ. Arrêtons une fois de nous dire, mais est-ce qu'on ne peut pas cesser de tricher? Ayons vraiment une série qui va fonctionner pour que celui qui l'emporte soit celui qui soit à la place. Parce que c'est bien, on triche à tous les niveaux, même à l'école primaire aujourd'hui on triche, les enfants passent des classes en trichant, on triche partout, même dans les foyers on triche, même au travail pour mettre quelqu'un on triche. C'est vrai que la tricherie a tellement pris de la place dans notre vie. Quelqu'un m'avait dit, bon, qu'on a vu ce qu'on a vérité comme un problème. Au contraire, à ceux qui nous sont belles bouquets, à ceux qui nous sont et pourtant, vérité, ça n'est pas simple. C'est-à-dire, ma belle côté, c'est mon tour à Congolais, mon tour à côté, c'est PC. Bon, la vraie question maintenant est la suivante. Nous parlons élection, nous parlons marche, mais vous l'avez évoqué ici, c'est le bien-être du Congolais. Félix Tshisekedi vient de faire du remue-ménage à la justice, à l'armée. Tout ça, on a besoin que les choses changent dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, la vie sociale pose problème. Au lieu que nous partons dans des débats techniques que les Congolais peuvent comprendre pour la masse. Vous qui êtes ici sur ce plateau, dites-moi, ma question est claire. La vie du Congolais aujourd'hui a changé. Le dollar, il est à 20. On passe à la vitesse supérieure. Nico Faya parlait des loyers. Ça pose problème. De l'eau et de l'électricité aujourd'hui, je répète à Masangambila, Maezate. Na Rigini Maezate. Na limité 7e rue, banda ba tiko bongisa courant na première rue ba Simbaki, courant Koufi na limité. Bon, vous qui êtes suivi maintenant Maezate. Vous qui êtes suivi par la population et par les autorités. Que faire pour que 60 ans après aujourd'hui qu'on quitte le marche mais qu'on change la vie du Congolais, il faut quoi? Peter, je crois que si je peux me redire, permettez-moi je l'avais bien souligné. Voilà pourquoi moi, je me suis engagé avec mon parti pour manifester. Congo en avant. Oui. Pourquoi nos amis qui composent la majorité. Le FCC. Le FCC, je t'ai dit. Cache. Ils ne se reconnaissent. Cache. FCC cache. Non, qu'ils sont ensemble ou pas, cette coalition diabolique, j'en ai marre. Écoutez, si aujourd'hui, ces gens travaillent pour plaire au regroupement politique, pas pour l'intérêt du peuple, les Kambokora et Talibangote. Vous avez dit Janine Mabunda, qui sait très bien que l'Assemblée a le plein devoir de convoquer le ministre de l'économie. Il a même le plein droit, si le ministre est travail, il peut même le sanctionner. Motion de défiance. Oui, mais il le sait. Mais comme il veut travailler pour plaire à Kingakati, Botala Lipa, Ndenge Komi, comme si. Janine Mabunda, ça n'a souci à Lipa. Peter, pour le peuple congolais. Peter, écoutez, il le Jeannette Kabila a souci à la police. Si là, si là, ma belle est là. Jeannette Kabila a un pour la militaire. Là, il dit que vous en avez au Kocha, au Koseka, je sais très bien. C'est la métaphore utilisée. Je sais très bien, Peter. Voilà. Donc, ce qui Jeannette Mabunda a la volonté de Zolo Bawana, à combien que ce ministre de l'économie à tout nier, mitro, pour ne ni boye boye boye. Soit c'est pelité, à l'okolangana yo tena plateau te, à ko l'ongolaye. Donc elle n'est pas à se plaindre. Non! Mais vous avez même vu Napes exemple. De lors que Batoubaza et Lina Peuple, ça pose problème. Ils vont satisfaire leur camp. Regardez cette histoire où nous avons vu même la gratuité de l'enseignement par exemple.
Vous avez vu la bataille? C'est nous. C'est vous. C'est Kabila. Et même, je me souviens à l'époque, Macaire, c'était les 50, dire que c'est Kabila. En réalité, on ne travaille pas pour le peuple. Maï, courant, tout ça. Et t'as lu dans beauté. Je fais tout pour plaire à mon camp. Parce que Jésus l'émanation de ces camps-là. Donc ça veut dire que ce que Maître dit, il faut avoir des bonnes élections. Mais exactement, si c'est là, nous faisons cercle d'ici, on va retourner. Le cas de départ. Et il est grand temps aujourd'hui de dire à notre peuple, j'attends Eric. Bon, j'aurai même appris, je ne sais pas si c'est lui-là. Il y a déjà, Ronsard a déjà construit le Bing. Hein. J'aurai même des gens qui travaillent dans ces sens-là. Je n'ai pas qu'Eric est là. Hein? Vous voyez, mais j'aurais appris tout de gauche à droite. Il y a même des gens qui en parlent. On n'a pas un problème avec Eric. Eric, hein? Tu fais partie des gens. Non, 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 je ne crois pas. Pas non. Voilà, donc, voilà, voilà ce que je dis. Vous n'êtes pas d'accord avec vous. Voilà, ça. Voilà. Écoutez, ok, ok. C'est de l'air droit les plus légers. D'accord, ok. Je ne pense pas que c'est un Lucifer. Non, 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 non. D'ailleurs, on n'a pas de problème avec lui, Ronsard, c'est un jeune. Moi, je me bats pour la motion de la jeunesse. Mais je pense que le péché de Ronsard, il porte la croix du FCC. C'est-à-dire quoi? Ils veulent encore venir pour nous fabriquer des députés. On est le seul pays où les gens ont géré pendant 18 ans. Ils ont échoué la montagne. On peut avoir 400 députés. Ça s'explique pas. Ça veut dire que tu as combien de députés pour vous autres? Bah, votez les gars. J'aurais même apprécié, c'est vrai. Vous tous les gars qui m'ont dans la rana. Tiens, bah, abîmez les gars. Peter, mon tomorrow est singa, si c'est vrai. Comme il a un candidat na élection, les gars. Si c'est vrai. Non, non, je l'affirme pas, je dis que quelqu'un m'a insulté. Ici, c'est non. Vrai. Il utilise un adverbe d'intensité ici. Mais j'ai l'impression que. D'accord. Moi, je suis calme quand vous parlez. Oui. C'est le débat. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors, ensuite. Naïo, que j'aurais appris. Que Mina vous a candidaté. Ok. Même la liste, vous avez besoin de talent. Est-ce que c'est vrai? Il y a même inquiété dans un parti, ma Bimi Kota PPR. Voilà. Mais vous apprenez que non, Abimi député. Ce type-là, Peter, il a l'Assemblée. Il va travailler pour le peuple. Madame Mogora est allié. Madame qui va plaire à l'IPEN en plein 21e siècle. Dans mon film, qui peut avoir 12, 13 avec 25 litres. Ajouma Tangumba. Mais tu as 200 millions. Tu as 100 millions. Mais ces gens-là, et je leur ai un certain niveau d'accord avec lui. Quand il dit maintenant, tout le monde s'est projeté en 2023. Vous voyez? Et j'ai même compris qu'ils ont voulu utiliser. Je crois malheureusement cette histoire de Covid-19, état d'urgence pour faire passer les choses. D'accord. Parce que Nico l'a dit ici, pendant l'état d'urgence. Mais pourquoi Mina Kwesakata est à leur niveau? Il est sur l'état d'urgence. Pourquoi mener de telles lois sachant bien que ça peut poser problème? Donc, nous on va croiser les bras, l'état d'urgence, et peut se retrouver avec. Maintenant, tu n'as pas souligné ton Dakar, c'est d'ailleurs Yemei. Au siège du peuple perdu. Là, il n'y a pas état d'urgence. Yemei. Quand on livre. Amène des gens chez lui. Il n'y a pas de dirigeance. Olive va faire quoi? Non, vous n'avez pas l'inauguration de là où la ministre oui, descend. Pour aider. Alors là il n'y a pas de dirigeance. Pour aider la population. Non, la logique, là, il y a Corona, ce qui est tout, tu as dit que tu as dit que tu as dit. Ce qui est tout, tu as dit que tu as dit que tu as dit. Corona, c'est la gagne en marche. Ça, c'est logique, ça. D'accord, on a compris. Eric. Je dois rectifier les choses. Celle, c'est quand même des laïcs catholiques. Hein? Et moi je les encourage. Il a soulevé les bonnes choses. Mais le CLC devait d'abord appeler son pasteur, Ambongo, pour qu'il nous explique pourquoi on en est arrivé là, jusqu'à Malonda. Ambongo est allé faire un deal secret avec Mabunda pour que les confessions religieuses. En tout Ambongo a fait un deal. J'ai dit, c'était ça. Parce que quand ils ont commencé à négocier pour choisir les candidats des confessions religieuses, beaucoup de gens n'étaient même pas informés. Ça se passe dans les coulisses. Ambongo qui est de l'Équateur avec Mabunda, bon voilà. Abundo était dans l'espoir qu'il va placer un de ses neveux, quelqu'un de l'Équateur. Donc il y a beaucoup dedans, il y a beaucoup de choses. Mais je ne comprends pas pourquoi Ambongo parle des réformes aujourd'hui, alors qu'il y avait déjà une loi sur des réformes introduites par Lutundu là. On devait faire pression à ce niveau-là. Je l'ai reçu la semaine dernière. Je suis à l'Assemblée. Ils ont mis la charrette devant le B. Maintenant Ambongo, puisqu'il n'a pas pu placer quelqu'un qu'il voulait, il veut manipuler la rue. En tout cas, c'est pourquoi moi j'ai une partie. C'est Ambongo qui manipule la rue. C'est lui qui est sorti pour quand dire. Quand l'IDPS est sorti, c'est Ambongo. Je vais dire, l'IDPS d'ailleurs devait être le plus aidé parce que Ronsard les a aidés à être au pouvoir. Vous savez que les résidus. Moi j'étais à la Cour constitutionnelle où Ronsard Malonda a été capable de publier les résultats avant même la fin des compilations. Vous savez qu'on a publié les résultats des élections présidentielles, on n'avait pas terminé les compilations. Mmh. Est-ce que les maîtres là, c'est Ronsard qui a permis à Kabouye qu'on sorte de pouvoir? Apparemment, il est trop bien. Non, je ne comprends pas cette désastre. Non, moi je ne suis pas proche de Ronsard, mais je préfère ici. C'est ça le problème. Quand on analyse,
tout le monde a mis la charrie devant les bêtes, y compris Ambongo lui-même, parce que nous, nous pensions qu'on devait commencer d'abord par réfléchir sur notre système électoral. Comment depuis 2006, 2011, 2018, jamais l'un perdant n'a félicité les gagnants pour dire non, pour les Congos, moi j'accepte les résultats. C'est dans un char que Malpol publie les résultats. Après, Tshisekedi, nous allions lui-là alimenter, où il prêtait serment. Faïlou réclame la vérité des urnes aujourd'hui. On devait repenser le système électoral avant d'aller. Kambong est entré dans un jeu. Il a mis la charrie de l'éléphant libé. Les choses n'ont pas marché. D'accord. On recourt à la rue. Alors moi, je pense que celle-ci devait aussi. Je ne sais pas parce qu'ils ont organisé aussi une marche sur 15 millions. Jusque-là, pas de résultats. Il n'y a pas de procès, les dossiers classés. Hein, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la fameuse marche des 15 millions pour qu'on passe directement aux marges sur les élections. Là, Maître Hervé pourra nous éclairer. Ça te dérange qu'il marche demain? Ça ne me dérange pas, c'est l'air droit le plus légitime. D'accord. Mais qu'il soit aussi, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a de l'intolérance ici dans cette affaire-là. C'est pourquoi moi j'ai créé, nous sommes allés d'aller vers une dictature. Hein, parce que quand les gens pensent qu'ils sont le peuple, quand un groupe de gens. Quand l'UDP pense qu'il est le peuple. Il est le peuple. Je vais t'arracher les mots de la bouche. Oui. Il faut le dire clairement. Quand l'UDP dit qu'il est le peuple. Quand l'UDP pense qu'il est le peuple. Quand nos amis qui vont marcher les dimanches, qui ont de l'air droit parce qu'ils sont le peuple, c'est cela la pensée unique. Cette posture maximaliste. Le peuple, c'est tout le monde. Même nous. Le peuple, c'est pas la majorité. Qui trouvons cette marche, quelle majorité? Parce qu'il n'y a aucune majorité là-bas. Même l'UDP qui pensait être majorité. En tant que journaliste, pour vous, la majorité des Congolais veulent. Il y a une majorité. Ronsard ou la majorité ne veut pas de Ronsard? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas à faire les sondages. J'ai dit que Ronsard, c'est un faux problème. Parce qu'on ne trouvera jamais un mouton à cinq pattes pour mettre là. Ronsard, c'est un autre faux. Mais pour qu'on en arrive là, les responsabilités doivent être partagées. D'abord, Mabunda, qui nous a amené dans une procédure bâclée. Les pasteurs du CLC, parce qu'ils sont laïcs catholiques, qui est allé dans une procédure après, avant même les. Sans tenir compte des réformes de ce que Hervé Diaké s'est tenté de réclamer aujourd'hui. D'accord. Ils ont tous des responsabilités à partager. Donc les gens ne doivent pas continuer à prendre ces peuples comme un peuple dit. Nous sommes dans des coulisses comme ça. Quand ça ne marche pas, nous recourons à ces peuples-là. Quand Kabound va à Mouela Loge négocier le poste du premier vice-président, le peuple n'est pas là. Que quand ça ne marche pas, il manipule les peuples. Félix nous a éclairé. Pendant que vous vous battez ici, il dit que les discussions sont en cours. À Rotana, ou je ne sais pas à quel lien, Augustin Kabouya, Kabound se retrouve avec des ennemis. Hein, Libala na bango pour arranger les Libala, c'est Lamouka qui ne comprend pas parce que je compare moi Lamouka à cet homme là qui convoite une belle fille. Je ne dis pas que je vais le faire. Hein. Je constate que mon ami Tchania a une belle femme à la maison. Moi je convoite, je commence à prier qu'il y ait un divorce pour que moi je puisse prendre cette femme là. Mais ils sont tellement amoureux, l'alliance là, FCC cache. Ils sont tellement amoureux, Kabila Tshisekedi. Vous perdez votre temps. D'accord. Ils sont en train de manipuler tout le monde. Ils sont là, depuis Ibiza. Ils ont dit qu'ils vont diriger ce pays pendant plus d'un quart de siècle. C'est pourquoi moi, je demande aux gens de Lamouka de se réveiller. De mettre des stratégies. Que Lamouka puisse. C'est-à-dire que nous constatons qu'il y a une coalition Tshisekedi, Kabila est en train d'échouer. Il ne faut pas qu'on nous tombe. Tantôt c'est Tshisekedi, tantôt c'est Kabila. Ils sont ensemble. Ils sont les deux. Ils sont les ils deux. Ils vivent ensemble et ils meurent ensemble. Ils meurent ensemble. Ils sont dans l'air d'île pour conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Il appartient à Lamouka. Au lieu de chercher à franchir Tshisekedi, nous nous pensons que Tshisekedi est sur la bonne voie. Quand même, il peut envoyer les agents de l'ANR à la Cour constitutionnelle, attaquer la Cour constitutionnelle pour prendre des sous, caporaliser la justice. On d'accord. estime que lui, il est sur la bonne voie. D'accord. On fait fausse route. Il y a d'accord. une coalition qui est en train d'échouer. Nous avons besoin d'une alternative crédible. Au lieu de continuer à chercher à prendre Félix, à faire alliance, à qualifier la majorité avec Félix. D'accord. Moudjahid du peuple. La question. Votre réaction par rapport à ce qui s'est dit et tantôt ici sur la question électorale, même l'incident sur la vie du Congolais, doit-on continuer à démarcher ou y a-t-il autre chose, autre manière de faire pour changer la vie du Congolais? Il peut y avoir des marches, mais quelles marches comme celle que j'organise le 25? Voici le genre de marche qu'il faut en ce moment. Le 25. Le 25 juillet, elle partira du rond-point Victoire à 9h. Avenue Kassavubu, vers l'hôtel des villes, on dépose les momos. Après le demain. Vous revendiquez quoi? Qu'est-ce que nous revendiquons? Primo, il y a hausse de prix généralisée sur le marché. Aujourd'hui, moi qui vis avec ce peuple, aller sur Éthiopie et Bundelamadesu, c'est 3500 francs congolais. Moi qui vis avec ce peuple. On interdit de parler du peuple ici. Ici, moi qui vis avec le peuple. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus d'itinéraire officiel. Aujourd'hui, si vous quittez Victoire, vous voulez arriver à Lupin. Si vous prenez moins de transports, c'est trois transports. Les demi-terrains. Les demi-terrains. Je combats ces phénomènes-là. Tertio,
il y a aussi un problème de loyer. L'État a dit que les bailleurs ne dérangent pas les locataires. C'est S'il te plaît. Non, payez ou pas, le bailleur va rester dans sa position parce qu'il a votre garantie. Les tenanciers de terrasses qui ne vendent plus suite à la mesure prise par l'État. Parenthèse, les églises. Monsieur le Président de la République, pour les églises, je peux plaider. Ouvrez les églises. Si nous allons mourir de corona dans les églises, moi je l'accepte en tout cas. Pour Jésus, moi je suis prêt à le faire. Parce que les hôtels sont ouverts. Il y a même des bars, dans les cousins où ça fonctionne. Mon lit, moi, pité et tôt et colis. Tôt et colis. Parce que hôtel est calamité. Bakouzou et calamité. Baba, écoute, bon, c'est le système. Il y a quand même un kati. Bon, église. Ce qui est l'Assemblée nationale, il y a 504 mesures barrières. L'église, là où nous allons en contact parfait. Nous qui faisons le combat, nous aimons trop que le Saint-Esprit soit là pour que nous puissions agir. Je te donne la parole. Tout à fait d'accord. Je disais, itinéraire, il n'y a plus d'itinéraire. Comment voulez-vous que quelqu'un qui quitte Victoire arrive à Lemba dépense au moins 1500 francs congolais? Et ça se passe sous la barbe impuissante de l'État. Donc il faut une marche pour ça. Non seulement ça, je continue, il y a toute une pile. Il y a toute une pile de revendications. Ce n'est plus des histoires de postes au finish. Il n'y a rien qui donne solution au peuple. Dans les États, malheureusement, parce que malheureusement, ici, nous ne sommes pas dans un État. Dans les États, aujourd'hui, le débat se pose. Que, oui, nous ne sommes pas dans un État. D'accord, allez-y. Nous sommes dans un État, non-État. Ok. Dans les États, le débat aujourd'hui se focalise sur quoi? Primo, l'économie. Secundo, le finance. Tertio, comment conserver les emplois? Malheureusement, chez le vous... Le social. Vous savez, le salaire a un caractère... Le travail a un caractère humanitaire... Mais le salaire a un caractère alimentaire. Chez vous, qu'il y ait emploi ou pas, il y a les impayements partout. D'accord. Aucun service n'est épargné par les impayements. D'accord. Que fait l'État? Au lieu que les gens s'adonnent aux problèmes qui rongent la population, les gens s'adonnent au poste. C'est ainsi que moi, Moudjadine du peuple, procureur général près de ce dernier, j'ai dit qu'ils prennent les postes qui me laissent mon peuple. C'est pour cela que je projette cette marche. Le 25. Le 25 juillet. Mmh. Pourquoi As-tu cette marche? As-tu déjà eu l'avis du gouverneur? En vertu de l'article 27 de notre constitution disposant que l'initiateur informe. D'accord. J'ai déjà informé. D'accord. Mais il faut aussi ajouter une chose. Je vois que Peter sera là, c'est quoi? Écoutez, et vous, et tous qui font tuer les gens pour les postes, vous êtes invités et vos contributions seront les bienvenues. Quelles contributions? Morale, financière, matérielle. Quelqu'un qui a la marche, il va y amener la marche. Non, j'ai dit ceci. Pour qu'il y ait large écho, il faut que cette marche, que l'autorité arrive à comprendre ce message, très bien. Il faut qu'il y ait large écho. Vous ne devez pas seulement faire des contributions sur des marches improductives, stériles et qui du reste suicidaires. Là, vous faites des contributions. Je me pose la question. Les 9 morts de Lubumbashi, qu'est-ce que leurs familles ont bénéficié? D'accord. Les policiers a ses droits et obligations. Malheureusement, chez vous, vous pensez qu'il n'y a que les manifestants qui ont des droits. Non, les manifestants ont des droits, en ont aussi les obligations. De même aussi, les policiers ont des droits et obligations. Merci. Dans ce pays, le CLC et l'Église catholique. Il y a une période ici où on a dit, machine à voler, machine à tricher. Est-ce que la machine était à voler? La machine était à tricher. Décrispation, qu'est-ce à dire? Des crispations, on a cherché que... On dit que la machine a volé les voix. S'il vous plaît, dans ce pays, on a cherché des crispations. Qu'est-ce qu'on entend par des crispations? Que ceux-là qui étaient condamnés par des décisions de justice, coulés en force de la chose jugée, soient relaxés. Des droits communs. C'était ça le sens de la décrispation. Merci. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Peuple congolais, cet appel, je lance cet appel à toutes les mamans qui ne savent plus payer les loyers. Aujourd'hui, le dollar, c'est l'anniversaire de franc congolais. C'est 220. Nous sommes en 2020. Le dollar aussi, c'est en 2020. Qu'il vienne le 25. Toutes les mamans, aujourd'hui, que vous soyez la Mouka, vous soyez Cash, vous soyez FCC, merci. Et vous soyez indépendant, venez pour la bonne cause. D'accord. Merci beaucoup. Maître Veillakessé, le temps pour vous de ramasser ce qui a été dit. Et aussi, bon, on n'a pas besoin que les gens viennent demain chez vous. Qui fait tuer des gens, mais il faut aller à la marche pour la bonne cause. Hein.
Bon, écoutez, il est important que dans une démocratie, que les marches, les manifestations soient quelque chose de banal. C'est même inquiétant que nous ayons cette idée que marcher signifie s'exposer à la mort. Et je dois, moi, relever qu'avec les dernières marches qui ont eu lieu, j'ai pris part à toutes les marches. Hein. J'étais autant à la marche de l'UDPS qu'à la marche de la MOCA. J'ai les images. Et donc, j'en déduis aujourd'hui qu'il y a quelque temps, c'était des manières délibérées qu'on nous tuait. Parce que si, en dépit de la masse énorme qui a été notamment mise en route lors de la dernière marche... De la MOCA. De la MOCA, effectivement. Parce qu'à la marche de l'UDP, on nous a gazé violemment vers les palais du peuple. Mmh. Lors de la marche de la MOCA, je n'ai pas constaté les mêmes incidents, par exemple, que lors de la marche avec l'UDP, on nous a gazé au niveau de l'échangeur. Alors que dans les anciennes marches, tout le temps, les menaces étaient « regardez vos familles avant de sortir », etc. Donc, en réalité... Pas la photo, maman, la banne. En réalité, c'était des manières délibérées qu'on décidait de rendre une marche comme étant le fait de s'exposer à la mort, alors que c'est un droit constitutionnel. Je crois que tôt ou tard, certains en répondront. Parce que les dernières marches démontrent, avec la même police, avec exactement les mêmes citoyens, des fois avec même les mêmes dérapages de la foule, mais on peut épargner les vies humaines, ou on peut atténuer les effets, les taux de la répression. Alors maintenant, je voudrais un peu ramasser ce qui m'a été dit tout à l'heure. Notre ami Eric Wemba dit, bon, les CLC avaient commencé des marches pour les 15 millions, et puis maintenant, ils sautent pour les élections. Mais cher Eric, évidemment, mais à l'époque où même le monde était au triomphalisme, etc., nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme, en disant que nous entrions dans une dérive, parce que les espoirs portés sur la transparence de la gestion ne parvenaient pas à se caractériser, parce que certains scandales commençaient à s'annoncer, et pour lesquels, si on ne tirait pas la sonnette d'alarme à temps, eh bien, ils risquaient de s'aggraver. La preuve en est que, avec les investigations des 100 jours, on s'est bien rendu compte que ce que nous disions à l'époque a eu des conséquences aujourd'hui. Donc, bien au contraire, il faut nous féliciter parce que nous étions précurseurs. Nous l'avions annoncé avant, alors même qu'on nous traitait de tous les noms et on nous imputait des intentions que nous n'avions pas, alors que nous sonnions l'alarme sur les deniers publics. De la même manière, nous avions dit que l'une des plus hautes juridictions de ce pays s'était tellement ridiculisée et compromise dans les scandales électoraux et dans cette affaire des validations, réinvalidations, même dans les élections les chefs de l'État les avaient même convoqués chez lui. Nous avions dit qu'on aurait dû tirer les conséquences en son temps pour que ces gens démissionnent. Mais on en est où aujourd'hui avec la Cour constitutionnelle? Mais c'est nous qui étions précurseurs. Donc il faut savoir que les CLC est bel et bien resté dans cette logique. Nous vous avons même précédé. C'est maintenant vous qui êtes en train de suivre ce que nous disions en son temps, au lieu de nous donner de prêter des intentions que nous n'avions pas. Vous seriez rendu compte que nous sommes républicains. En une minute, je dirais à nos compatriotes que notre marche de demain demeure rigoureusement pacifique. Nous allons collaborer avec les autorités et respecter les gestes barrières. Le chef de l'État a pris une mesure qui va vraiment dans le bon sens et nous l'encourageons à continuer. Néanmoins, cette mesure, bien que nécessaire, n'est pas suffisante parce qu'il y a encore des préalables qui n'ont pas été rencontrés, sans lesquels nous ne pouvons pas prétendre à des élections crédibles. Nous ne nous sommes pas mobilisés uniquement pour que Ronsard Malonda ne soit pas là. Nous nous sommes mobilisés pour que nous ayons une CENI qui soit différente de toutes les CENI d'avant et qui nous organise des élections pour lesquelles il n'y ait plus de contestation des légitimités de nos dirigeants. Nos préalables demeurent. L'audit de la CENI, l'audition du rapport de la CENI Nanga, la réforme structurelle
de la loi organique, d'accord, ce n'est qu'alors qu'on peut maintenant placer les hommes qu'il faut sur base de profils qui seront déterminés de manière claire et sans tergiverser. Mais quelque chose rapidement, oui, parce qu'on a dit que le cardinal se serait fourvoyé dans une procédure tribalo-ethnique, ça c'est encore un peu cette machine des désinformations totalement inappropriée, parce que la Benchole a eu à parler et pas mal d'intervenants ont eu à parler, il n'y a jamais eu, mais alors le chef de l'État qui renvoie cette désignation par césarienne en disant qu'il n'y a aucun soubassement, parce que le procès verbal n'a jamais été signé, parce que justement il n'y a jamais eu concertation, ni les cardinals, ni les CC n'ont signé, et même les kimbanguistes ont excommunié leurs représentants. Non, mais c'est ce qu'on vous demande, que il y a eu... Mais pourquoi ce tumulte, cher ami? Pourquoi ce tumulte? On sent bien qu'il y a... Là, c'est désir de faire passer un message particulier. Aujourd'hui, les choses sont bel et bien claires, et je crois que le chef de l'État nous a écoutés. C'est qu'il y a eu une initiative d'un camp politique pour pouvoir caporaliser la CENI, et que le fait que les cardinals se soient opposés a créé cette rancœur et la machine à désinformation a fonctionné. Alors, attendez, attendez. Non. Peut-être que vous étiez ensemble en train de négocier dans les coulisses, mais en tout cas... Urbi et Urbi, nous sommes en train de dire les marchés. S'il te plaît, Eric. Non, mais en tout cas, vous étiez certainement ensemble. Eric. Mais il a dit clairement que ce n'est pas le cas. En fait, je vais vous dire, vous les Congolais qui êtes à la maison, n'attendez pas Félix ou Kabila ou FCC pour changer votre vie. Vous pouvez être l'artisan de votre propre bonheur. Vous-même. Moi, je n'ai pas su, pas un kabiliste, mais j'ai créé le vrai journal sous le régime de Kabila. Donc, tant que vous attendrez l'autre bonheur chez les autres ou que le pays change, vous resterez chez vos parents, vous demeurerez pauvre. Soyez le propre ingénieur de votre vie. Changez la vie autour de vous. Changez votre vie. À travers vous, soyez un exemple pour changer votre famille, votre entourage. Passez de la survie à la stabilité. De la stabilité à l'impact. De l'impact au succès. C'est comme ça que vous changerez la vie des autres. Marchez avec ça dans votre vie. Soyez courageux. Soyez persévérant. Et n'abandonnez jamais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée.